Du moment où on a eu vent de ces histoires, on a tout de suite endigué, c'est-à-dire qu'on tout de suite, on en fait part à l'école, on en fait part aux maîtresses, maîtres ou maîtresses qui sont plus ou moins enclins à régler ce genre de choses. On ne prend pas suffisamment ça comme un traumatisme. Alors comment on a géré? On a écrit des mots dans les carnets de liaison, on a envoyé des mails, on a encore jamais porté plainte. On n'a encore jamais porté plainte, on n'est encore jamais allé aussi haut. Je sais qu'il y a des choses qui ont fait énormément de mal à ma deuxième ado. Ça lui a fait énormément de mal parce que c'était des railleries de gens qu'elle aimait bien en plus. Donc en plus, on a du mal à répondre quand c'est des gens qu'on aime bien. Des railleries sur le physique. On invite nos filles à répondre, à s'aimer suffisamment pour pouvoir dire « Mais tu sais, en vrai, je ne suis pas là pour te plaire. Donc si ce que tu vois ne te plaît pas, détourne le regard. » Mais quand 5 fois dans la semaine, on vient nous dire « Papa, il m'a embêté, papa, ils m'ont embêté, ils m'ont... » Mais tu l'as dit à la maîtresse ? Une fois, on s'est presque fait engueuler par la directrice parce que Cerise n'était pas allée le dire à la maîtresse ou n'avait pas remonté l'info. Je trouve que c'est prendre le problème dans l'autre sens. Je trouve que c'est prendre le problème à l'envers et de dire à la victime « Ah ouais, mais pourquoi t'es venu dire ? Oh, pourquoi t'es pas venu dire ?» Et quand la victime vient dire « Mais pourquoi tu viens dire ça ? Mais ça n'a aucun intérêt. »